regardez jusqu'où on est allé, cette poupée qui représente un pendu à l'effigie de Mathieu Valbuena qui a été érigé dans un virage du stade Vélodrome. Mais est-ce qu'on peut décemment imaginer autant de bêtises dans un match de football? C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. Oui, on est en colère. Quelle honte! Une honte, ce match OM-OL du 20 septembre 2015. Une honte qui a d'abord commencé dans les tribunes du Vélodrome. Une honte qui s'est ensuite poursuivie sur le terrain où le Lyonnais Mathieu Valbuena s'est fait dézinguer par les Marseillais. Visé par des bouteilles et autres projectiles, il a même dû être protégé pour tirer un corner. Même agressivité chez les joueurs de l'OM, avec l'exclusion de Romain Alessandrini. Non, bien sûr, ça ne mérite pas carton rouge, hein. Et puis, c'est pas tout. Alors, on va tenter un peu de récapituler cette folle soirée. Appel au meurtre, jet de projectiles, agression en tout genre, match interrompu 25 minutes. Mais attendez, le meilleur reste à venir, avec les déclarations des deux présidents qui, plutôt que de calmer le jeu, ont remis de l'huile sur le feu. Jean-Michel Aulas d'un côté, bien sûr, faisant prendre sa mauvaise foi habituelle, c'est rien de nouveau, mais la palme d'or de la connerie, elle revient sans conteste à Vincent Labrune. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol, et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football. Ah ouais, dit comme ça, c'est bien résumé, monsieur Aulas. Blague à part, cette petite guéguerre des présidents, c'est vraiment puéril et ça commence à devenir fatigant. Il faut bien reconnaître que sur le terrain de la communication, Labrune, il se fait rouler dessus par son homologue lyonnais. Donc oui, la palme d'or du gros crétin, elle revient à Vincent Labrune pour ses propos déplacés, hallucinants sur l'arbitrage, qui selon lui expliquerait en grande partie les événements lamentables que vous venez de voir. Alors, il ne s'agit absolument pas d'accabler le public marseillais, qui dans son ensemble est un public fantastique, merveilleux, qui nous réalise des tifos splendides, qui met une ambiance électrique, mais hier, malheureusement, on a vu le pire de l'OM, et l'OM, ce grand club, ce club de passionnés, ne mérite pas d'avoir à sa tête un incompétent comme Vincent Labrune. Alors Vincent, va te faire couper les cheveux, va vendre des shampoings, fais du marketing, mais laisse l'OM aux gens qui aiment ce club et aux gens qui aiment le foot. Voilà une vidéo coup de gueule parce qu'au-delà de la rivalité OL-OM, c'est un match qui nuit à l'ensemble de la Ligue 1. Pensez à vous abonner, à mettre un j'aime, lâchez-vous dans mon commentaire et s'il vous plaît, tous ensemble, allez, en cœur, la brune démission, la brune démission.